Yes! Bienvenue à toi en ce jour. Je souhaite que tu aies vraiment la vitalité permanente tous les jours. En tout cas, c'est le cas pour moi. Donc, en prélude à notre session de consultation éducative sur la dépression, ses causes et ses solutions naturelles, je voudrais parler justement du sujet de la dépression en rapport avec les dérives alimentaires, le cas de l'alcool. Est-ce que vous savez que la consommation régulière d'alcool conduit à un état d'hypoglycémie? L'hypoglycémie, c'est quoi? C'est un état d'un taux faible de sucre dans le sang. Vous savez que le sucre, c'est la matière première, le carburant du cerveau à 30%. Le cerveau consomme 30% du sucre qu'il y a dans tout le corps. Donc, c'est le carburant du cerveau essentiellement. Donc, cet état d'hypoglycémie continue de s'aggraver comment? Avec une consommation accrue d'alcool. Et l'hypoglycémie, pas assez de sucre dans le sang, ça crée donc une envie de consommer encore plus de sucre. Et cette envie-là aggrave donc l'hypoglycémie. Et cette hypoglycémie dégrade l'état mental et émotionnel du consommateur d'alcool. Oui, l'alcoolique reste donc dans cet état, dans ce cercle vicieux. Donc, comment donc sortir et casser ce cercle vicieux? Nous en parlerons justement lors de la consultation éducative d'ici peu de temps. Donc, restez connectés et inscrivez-vous justement sur le lien à côté. Vous pouvez vous inscrire et puis maintenant participer à Happiness Potential. Et puis vaincre toutes les dérives alimentaires liées à la consommation d'alcool et vaincre la dépression. À bientôt.